si les chers peuvent goûter. Tu es conducteur. Tu es celui de ton pays. Tu as tout son sens à de nombreuses épreuves. Ton peuple veut retenir toutes ces choses. Te dire qu'un de fois il est heureux de te voir. En son nom, je voudrais te dire qu'il est mort. Mais quand il est mort, si le ventre ne peut pas se laver, ne peut pas s'aider, est-ce que le ventre peut aider le dos? Voilà. Peuple de Yopougon, peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis merci. 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 Je voudrais saluer d'abord tous les partis politiques qui sont venus ici. Malgré la pluie, ils sont allés m'accueillir jusqu'à l'aéroport. Parmi ces partis politiques, il y avait le MGC de Simone Gbagbo. Elle-même, elle était là, il faut l'applaudir très fort. Elle s'est déplacée pour aller m'accueillir à l'aéroport. Après le MGC, le Front Populaire Ivoirien était représenté au haut niveau et son président, Pascal Affingué, ça est venu m'accueillir, il faut l'accueillir, pour le saluer. Et il y a Daniel Boni Traveri qui s'est déplacé, qui est venu me saluer aussi, qui est venu m'accueillir. Voyez-vous, il y a aussi d'autres partis politiques qui auraient bien voulu faire le déplacement pour venir à l'aéroport, mais les conditions sécuritaires n'ont pas permis. Il faut aussi préciser que ici, le PPACI a envoyé une délégation de 7 personnes pour venir nous saluer. Tout le monde était là. Tout à l'heure, au niveau d'un mouvement, vous venez d'écouter les anciens de la FESI, mes amis, avec qui j'ai fait l'université. Les différents états généraux sont assis là. Il faut les applaudir très fort. Et puis, enfin aujourd'hui, là, c'est une journée de remerciement. C'est une journée de remerciement. Il y a le président du comité d'accueil, le grand frère Boga Sako, qui pendant que moi j'étais à la haie et que je l'ai désigné pour faire en sorte que tout se passe bien. Il faut applaudir mon grand frère Boga Sako. Et il y a le comité d'organisation, dirigé par le grand Poté Joël. Ce comité a travaillé d'arrache-pied. Il faut applaudir le comité très fort. Et vous savez que j'étais en Europe. J'étais loin de vous. J'étais loin de vous. Mais il y a des Ivoiriens qui m'ont rejoint dans ce combat, qui ont pris le relais et qui en Europe m'ont apporté leur soutien. Quand ils ont appris que je devais venir ici, ils étaient plus de 200 à avoir payé leur billet d'avion. Ils sont sous ces bases, il faut les acclamer très fort. Ceux qui n'ont pas pu venir, je veux parler des Ivoiriens de la diaspora. Ces gens, j'ai du respect pour eux. Quand on te met en prison, loin de ton pays, tu es isolé. Et quand quelqu'un
son temps. Dans la neige, dans le froid, vient te rendre visite. Il faut le reconnaître. Mon grand-père m'a dit, c'est une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Quand tu as ramassé une noix de coco au bord de l'eau, il faut dire merci au vent. Donc je voudrais ici que vous applaudiez tous les Ivoiriens et les Africains de la diaspora. Je leur dis merci. Je leur dis merci, ils sont en France, ils sont au Danemark, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre. Ils sont aux États-Unis, il faut les dire merci. Il faut les applaudir beaucoup plus fort que ça. Et il y a mes camarades du Kojak qui étaient ici. Ici, c'est à dire ici. Eux, ils devraient en même temps se cacher. Et puis faire vivre le Kojak. Et ils n'ont pas vacillé à gauche. Ils n'ont pas vacillé à droite. Ce sont des tonneaux pleins. Et je voudrais toute la direction du projet, tous les coordinateurs du projet, tous les militants de base du projet, il faut les applaudir très fort. Et il y a le militant, il y a le mouvement de soutien. Je ne vais pas en citer certains pour ne pas oublier d'autres. Mais tous les mouvements de soutien, je voudrais ici, ceux qui, malgré le fait que j'étais en prison, et eux, ils se réclamaient de moi, vous faites courageux pour le faire. Mon grand-père m'a encore dit, nous sommes assez fidèles. Applaudissez-moi ça très fort. C'est pendant la forêt sèche et l'arbre contre les feuilles que nous sommes assez fidèles. C'est quand nous allons traverser, c'est plus que nous serons sèches. Mais pendant ce temps, ils sont restés là. Je me jette. Le soutien, les camarades du Kojak. Mais vous aussi, vous êtes restés là, non? Je vous dis merci. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez accepter. Parce que certains ne comprennent pas. Moi, j'étais en prison chez les Blancs. Je suis sorti de prison. N'est-ce pas? Les gens rentrent. Les gens rentrent. Les gens rentrent. Et puis moi, papa, je suis bloqué. Et puis, mon tour est arrivé pour que moi aussi je puisse rentrer. Donc il est là. 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 Merci. Donc je suis rentré. Et moi, je suis un homme, je sais être reconnaissant. Quand tu as fait mal, j'ai dit que tu as fait mal. Mais quand tu as bien fait, je sais reconnaître aussi le bien fait. On peut être des adversaires politiques, mais quand un adversaire politique pose un acte, il faut le reconnaître. Je reconnais ici, devant vous tous, le fait que, de bout en bout, mon dossier de retour a été suivi par le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais ici lui dire merci pour ça. Je voudrais lui dire merci pour ça. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent non, c'est un traite. C'est un traite. Est-ce que je dois parler?
que je vais te dire. Mais je ne suis pas de passage. Mon grand-père m'a encore dit. Mon grand-père m'a dit, c'est pas tout le temps qu'on met au soleil. C'est pourquoi je vais me taire. Mais je voudrais donc vous dire, en tout cas, devant tous les médias du monde entier, je dis merci aux autorités de la Côte d'Ivoire qui ont facilité mon retour. Comment j'ai su que c'était important, et je vous le dis publiquement aujourd'hui, hier, camarade, écoutez-moi très bien. Pendant que vous m'attendiez ici, hier, en réalité, quand j'ai dit hier le 26, moi je suis un général. Depuis le 25, j'étais au Ghana. Depuis hier, j'étais au Ghana. Mais j'ai géré les formations. Pourquoi je dis ça? Au Ghana, j'arrive. Je suis avec toute ma délégation. Les autres ont leur passeport. Fier, ça passe. Ils passent. Fier, ça passe. Bon, le tour de bleu pour y arriver. Je donne mon passeport. Dans l'ordinateur avec maintenant. Ici là encore. Ici là encore. J'ai fini à ce pays. Ici là encore. Donc, la femme me dit, monsieur, passez de côté. Donc, je vais de côté. Elle me dit, il y a un mandat d'aller comme vous. Ici là encore. Elle dit, ah, madame, c'est quitté où? Elle dit non, les autorités de votre pays m'ont demandé qu'on vous arrête. Elle dit depuis quand? Elle dit c'est depuis 2018. Je dis bon. Comme tu dis que ce sont les autorités de mon pays qui ont dit de m'arrêter. Mais je t'ai dit que moi je vais aller chez eux. Mais non, laisse-moi venir et on m'arrête là. C'est ainsi que ma délégation et moi, on a joint celui que le président de la République avait désigné pour suivre le dossier, le chef de cabinet, le président l'a appelé, Adia. On est dans quoi? Il dit d'après à quoi? Il dit, ah, on dit que je suis arrêté ici. Il dit, passe le mort. Et il a joint le directeur général de la police de la Côte d'Ivoire qui a appelé Interpol. Et dès l'instant où ça a été, moi j'étais assis là dans ma coin. Le directeur d'Interpol vient dire, monsieur Blaise, je vous prends mes excuses. Les autorités de la Côte d'Ivoire ont dit qu'il n'y a plus de palabres entre vous et que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, je lui dis ok merci, il dit non, il y a le ministre de la sécurité du Ghana qui veut te parler. Il dit, ah mais il faut me le passer. Bonjour monsieur le ministre. Il dit c'est qui? Il dit c'est le ministre Charles Bleu Boudé. Il dit vraiment, je vous prends mes excuses pour cet incident. Et on s'est séparés. Mais pourquoi j'ai évoqué cet incident? Cet incident m'a permis de savoir qu'en réalité, quand on m'a dit de venir, c'était franc, c'était sincère. C'était franc, c'était sincère. C'est pourquoi je remercie ici à Yokoubo. D'ici, je remercie les autorités de la Côte d'Ivoire pour avoir facilité mon retour ici. Parmi vous aussi, je vous vois aujourd'hui, c'est grâce à eux. Il faut applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, quand je n'étais pas là, quand je n'étais pas là, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Des gens qui n'ont pas choisi de mourir sont morts à cause de la politique. Or, pour moi, la politique doit donner la vie. La politique ne doit pas ôter la vie. Alors, en leur mémoire, tous, on va se calmer. Une minute de silence à la mémoire de nos disparus, de tous les bons politiques que ce soit. Parce que la mort n'a pas de camp politique. La mort n'a pas d'ennemi. La mort n'a pas de religion. Nos amis qui sont morts pendant la crise, nous avons la chance. Nous sommes en vie. Jusqu'à ce qu'on célèbre mon retour aujourd'hui. Ça aurait pu être nous. Désormais, une minute, s'il vous plaît.
Merci. Chers amis, j'ai rêvé de ce moment. Depuis ma cellule de prison, j'ai rêvé de ce moment. Et vous aussi, vous avez rêvé de ce moment. Mais la seule chose que vous devez savoir, quand quelquefois je devais perdre le moral et que je pense à vous, j'ai encore 10 fois plus le moral. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu comme difficulté. Parce que mon grand-père m'a dit. Mon grand-père m'a dit. Quand un chasseur va dans la bouche de famille, va à la chasse. De la chasse. Il donne le gibier aux enfants. Il ne leur racontait pas ce qu'il a vécu comme difficulté aux enfants. Je suis venu. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Parce que ce pays a été blessé. Ce peuple a été traumatisé. Le peuple que vous êtes, vous avez besoin d'un discours qui vous rassure. Qui vous rassure. Parce que ce que vous attendez de moi, ce ne sont pas seulement des discours de mobilisation. C'est qu'un jour, chacun de vous puisse avoir du travail. Chacun de vous puisse nourrir sa famille. Parce qu'on est fatigué de dormir dans sa route des gens. Mais tellement je vous vois comme ça, j'ai une lourde responsabilité. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous tous, on l'a vu. Vous avez souffert. Moi, j'ai été transféré en prison. Je suis venu. Mon devoir, c'est d'accompagner ce processus de paix. Pourquoi vous, là, quand vous allez dans votre petit job, dans votre petit gosse, vous n'avez pas la paix au cœur? C'est pourquoi je suis là. Vous avez réclamé votre paix, votre paix est là. Et vous allez m'accompagner dans ce processus de paix. Ce pays-là, c'est notre pays. Ce pays-là, c'est notre pays. Quand je dis c'est notre pays, on ne doit pas le détruire. On ne doit pas le détruire. C'est pourquoi je suis venu ici. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je n'ai pas trop parlé. Parce que je ne suis pas de passage. Je suis venu ici pour des bons. J'aurai le temps de vous parler. Voyez-vous, sous ces bâches, de mes parents. Mes parents qui ont quitté Tiberoua. Mes parents qui ont quitté Pomme-Robré. Qui voulaient me voir. Qui voulaient me toucher. Est-ce que leur fils est vraiment de retour? Il faut crier pour qu'ils attendent que leur fils est de retour. Vous qui êtes derrière ici, vous qui êtes derrière ici, vous, je fais la résistance avec vous, je ferai la paix avec vous pour que demain on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire, le Boudé sera notre prochain président, j'ai entendu ça. Et qui a dit ça? C'est la fin de président, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais je n'ai pas entendu quand vous avez dit ça. Bon, merci. En tout cas, chers amis, la
n'a pas eu de raison de vous. La pluie n'a pas eu de raison de vous. Et c'est la première fois dans ce pays qu'une pluie tombe comme ça. Et au fur et à mesure que la pluie tombe, le peuple a été dressé. Et le leader n'est pas resté dans une voiture climatisée. Moi, mais ici, il y a des pluies. Pour être beaucoup plus sérieux, nous venons de très loin. Nous venons de très très loin. On a dit que dans ce pays, quand on va, on ne verra jamais. Je suis arrivé là-bas. Je regarde les gens là, eux aussi me regardent. Quand je les regarde, et puis ils me regardent. Je dis, madame le juge, on m'a dit que ici, quand on vient, on parle jamais. Mais je vous informe que moi, je suis venu, je vais repartir chez moi. Je suis là. Je suis là. Il est 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 là. Et je suis là. La leçon que vous devez tirer de mon attitude. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Dans la vie, quand tu marches, il faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, faut marcher droit. Dans la vie, quand tu marches, faut marcher droit. Je suis allé à votre nom. Amen. Je suis resté droit. Tu n'es pas tombé. Ce conseil-là, n'oubliez jamais. Vous devez rester des gens de conviction, des gens de valeur. Quelle que soit votre pauvreté, quelle que soit votre situation sociale, vous devez rester droit. Et moi, je dis souvent, oui, hein, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Seulement, chaque choix a sa conséquence. Maintenant, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ton choix? Moi, j'ai assumé les conséquences de mon choix. Je suis allé vous représenter chez les Blancs. Je suis allé vous représenter à la Cour pénale internationale. J'ai choisi de jeunes avocats. Ils étaient ivoiriens, ils étaient africains. Ils n'ont pas tremblé devant la Cour pénale internationale. Ces jeunes gens ont dit au père ivoirien, et on peut ne pas avoir peur. Et nous sommes allés, nous avons représenté valablement, et nous voici aujourd'hui parmi vous. Nous sommes de retour, nous sommes venus avec le trophée de la vérité. C'est ça que je voulais vous dire. Une fois encore, je voulais vous dire merci. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler politique. Parce que je ne suis pas pressé. Je sais que vos oreilles sont pleines. Je sais. Mais je ne suis pas pressé. Je suis arrivé. Je vais prendre toutes les informations. À cette même place, on fera un meeting politique. Où je vais apporter tous les sujets. Et comme la presse est là, je donne rendez-vous à la presse. Dans quelques semaines, à une grande conférence de presse où nous allons aborder tous les sujets. Je dis bien tous les sujets. Et bien, vous m'invitez à la conférence de presse. Et si j'ai honte, si j'ai posé un pas gauche, si je n'ai pas suivi ma conviction, si je n'ai pas pu faire la différence entre le combat et la querelle, vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger. Vous serez là pour me juger.
Ne jugez jamais quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ne jugez jamais quelqu'un. Jeune de Côte d'Ivoire, ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a dit. Prenez le temps d'écouter aussi la version de celui dont on vous a parlé. Si aujourd'hui la CPI nous a acquitté, c'est parce que la CPI nous a aussi écouté. Je vous dis ça. Parce qu'il y a des rituels, ils se prennent. Ne jugez jamais quelqu'un sur la base de ce qu'on vous a raconté sur la personne. Quand je suis arrivé, tous les sujets seront décortiqués. Quand je suis arrivé à ce pays-là, je n'ai pas volé pour m'amener. C'est parce que j'ai représenté valablement notre cause que parmi tous les collaborateurs, c'est moi seul qui ai fondé. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais je suis très en colère. Je suis très en colère. Il vient d'arriver. Il prend de l'eau d'abord. Il prend de l'eau d'abord. Et puis. Quand je dis la l'heure, est-ce que vous savez l'heure de quoi? C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Mensonge, une seule heure de conférence de presse. 11 heures de mensonge. Il n'a pas dit qu'il a fait 2 heures. Il a dit une seule heure de conférence pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de menteurs. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef qui dit la vérité. Je voudrais donc ici vous saluer. Voilà, allez-y, 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 allez-y. Je voulais vous dire merci pour cet amour. Grâce à vous, j'ai repris la force. Et je vous dis, cette lutte que nous avons menée, je ne vais jamais la trahir. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Voilà. Je suis venu et vous m'avez accueilli. Vous m'avez bien accueilli jour et nuit. Vous nous avez bien arrosé nous tous. Donc on va se reposer. Restez à l'écoute. Je suis arrivé. Je n'ai pas bien entendu, je dis, il y a caillou dans mes oreilles. Et comme je suis là, si j'ai réussi, est-ce que Solange est là? Elle n'a pas venu. Est-ce que Solange est là? Est-ce qu'elle est là? Elle vient, elle est spatiale. Elle est venue chez lui. Est-ce qu'elle est là? Amenez la main. Voilà. Il faut applaudir très fort jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Il faut applaudir très fort jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Est-ce que vous avez très fort? Nous aussi.
encore très fort. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette chaleur. Chers amis, je voudrais vous dire que ne désespérez pas de la vie. Moi, en temps difficile et en temps de crise, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand tout était mélangé ici, dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand les gens étaient désespérés qui se cachaient sous l'ombre, leur lit, j'ai été votre chef. Quand les gens avaient bien fait leur passeport diplomatique pour fuir la Côte d'Ivoire, j'ai été votre chef. Votre chef est arrivé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Je suis arrivé. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes plus des orphelins. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. Je vais dire au canal du Cogep, à la direction du Cogep, que c'est fini. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre patron est arrivé. Voilà. Allez, levez le poing, levez le poing, levez le poing, levez le poing, activez. Levez le poing. Levez le poing. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Je vous aime très fort. Applaudissez-vous vous-même. Applaudissez-vous. Et quand tu mènes un combat, quand il y a des femmes autour de toi, tu ne joues jamais. Il faut applaudir toutes les femmes du Congé qui s'y présentent à toi. Il faut applaudir les femmes du Congé. Il faut applaudir les femmes de la diaspora du Cogep. Il faut applaudir Mme Guizier et son équipe. Il faut applaudir les jeunes du Cogep. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas. Les gars, vous pouvez aller me reposer un peu quand même. Vous pouvez aller me reposer un peu quand même. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la discipline. Faut pas qu'on a dit que vous êtes venus, les gens ont cassé. Je suis venu pour la paix et la réconciliation. Allez dans la discipline chez vous et restez à l'écoute. Bientôt on se voit. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Je suis venu pour la réconciliation. Je suis venu à prendre ma place. Le chef est de retour. Le bouteille a parlé. Il a animé son premier meeting. Il a dit qu'il est très contrôlé. Le temps de parler, le temps de tout dire, de dire ce que tous les gens veulent entendre. Pendant 11 ans, selon lui, beaucoup de choses ont été dites. Et en une heure de conférence de presse, il a rétabli cette vérité. Donc, le bouteille n'a pas voulu trop parler. Là, il a dit, je suis là, je ne suis plus de passage. Je vais. Tout le temps pour m'adresser aux Ivoiriens pour rétablir la vérité. Et ils ont rendez-vous à l'occasion d'une conférence de presse qui aura lieu très très bientôt. Mais en attendant, il a adressé des mots de remerciement aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont mobilisés, à tous ceux qui ont porté son combat, depuis la France, depuis la Belgique, depuis tous les pays de la diaspora, en tout cas tous les Ivoiriens de la diaspora, tous ont porté son combat. La salue aussi les militants de son parti et tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui encore à la place CPR. Se pide solo para que haga sentir.
Tout le monde veut le toucher. En vérité, il y a bien longtemps. Ce qui donne du fil à retordre à la sécurité au protocole. Il est littéralement happé. Charles Goudet qui vient d'animer son premier meeting ici, il a dit qu'il va parler, le moment n'est pas encore venu de parler. Et lors d'une conférence de presse qu'il va convoquer bientôt, il va dire à la nation sa part de vérité sur tout ce qui a été raconté pendant 11 ans. Et là, vous l'apercevez, il a salué, il est très heureux. Charles Goudet est très heureux de retrouver le sien. En tout cas, il est très très heureux. Il a donné rendez-vous bientôt aux Ivoiriens. Bientôt aux Ivoiriens. Pour la dire sa part de vérité lors d'une conférence de presse. Après, ça met ses frères, certainement de Guibellois. On entend un mot bêté. Oh, doucement. Après, vous êtes salut les siens. Salut ses parents. La chaleur, le retour, la joie. De retrouver les siens après 11 ans d'absence. Les parents de Charles Goudet se jettent dans ses bras. Il est très heureux de retrouver les siens, en tout cas ses soeurs, les parents depuis Guibeva, le Gon, la région du fromager. Le 3 décembre, il sera là-bas, au village. Il est là, le leader est là. Il va monter maintenant dans son véhicule. Et c'est parti pour une autre phase de ce retour. Merci. Charles Goudet qui va quitter maintenant la place CP1 sous bonne escorte. Sous bonne escorte. Laisse-moi passer. Pourquoi pas? Ne bouge pas. Tu ne bouges pas. Vas-y, vas-y.
c'est sur ces images que nous allons vous dire au revoir. Chers amis de Royal TV, heureux de vous avoir fait vivre en direct à ce moment le retour de Charles Bleu Goudé ici en Côte d'Ivoire. Depuis 12h30 en effet, il a regagné la terre de ses ancêtres, sa terre natale. Et là, il vient d'animer un meeting ici à la place CP1 après 11 ans d'absence. Heureux d'avoir été avec vous et nous retrouvons très très bientôt dans le cadre de ce retour des activités de Charles Bleu Goudé. Merci encore et vous étiez en direct de la place CP1 avec votre serviteur Romary Kenfoy. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont permis de faire ce direct, notamment au docteur Alexis Foy qui nous suit de près depuis Londres, qui a dit qu'il voulait vivre en direct ce instant, le moment du retour de l'un des combattants, lui aussi combattant de la liberté et du développement de la Côte d'Ivoire. Nous disons merci à vous, heureux d'avoir été avec vous et à très très bientôt pour d'autres instants forts de ce retour de Charles Bleu Goudé.